Nous sommes mardi 1er octobre, 26e semaine du temps ordinaire. Et en ce 1er octobre, l'Église fête Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, carmélite et docteur de l'Église. J'ai pensé à Sainte Thérèse. Ne manquez pas, vers 10h30, il y aura quelque chose sur Sainte Thérèse. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc 9,51-56. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans le village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples, Jacques et Jean, dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel ?» et les détruisent. Mais Jésus, se retournant, les réprimanda, puis ils partirent pour un autre village. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia.